Depuis 40 ans, de nombreux livres ont été écrits en chromatothérapie. Le guide thérapeutique des couleurs, écrit par le docteur Christian Grappard et Michel Delmas, publié aux éditions d'Angle, dont la première édition date de 1989, a été vendu à plus de 35 000 exemplaires. Il est l'ouvrage de vulgarisation de la chromatothérapie. Il est vraiment abordable pour l'ensemble des personnes qui veulent s'intéresser à la technique. Se soigner par les couleurs, du docteur Christian Grappard aux éditions Sully, est paru en 2008. C'est un livre de vulgarisation qui parle de la chromatothérapie, mais qui est aussi axé sur les oligoéléments. En effet, le docteur Grappard, par ses recherches, s'est rendu compte que certaines longueurs d'onde des oligoéléments correspondaient aux longueurs d'onde utilisées en chromatothérapie. Quand la couleur guérit, de Michel Delmas, aux éditions Guitre et Daniel, a été publié en 2010. Ce livre est axé sur la psychologie et sur la chromatothérapie oculaire. Grâce au style léché de Michel Delmas, ce livre est considéré comme le plus agréable à lire. Il vous donne les bases de la psychologie, directement couplées avec la chromatothérapie oculaire. La chromatothérapie des points d'acupuncture, écrit par le docteur Christian Grappard, aux éditions Sérec, publié en 1989, est vraiment une révolution dans le domaine énergétique. Alors, il n'est pas abordable pour tout le monde. Il est nécessaire d'avoir certaines connaissances en chromatothérapie. Mais ce livre redéfinit, avec la logique propre à la chromatothérapie, cette logique cartésienne, elle redéfinit les méridiens d'acupuncture. La chromatothérapie, science de l'énergie, principes fondamentaux d'une médecine vibratoire, écrit par le docteur Christian Grappard et moi-même, a été publié aux éditions Sully en 2017. Ce livre, qui est le premier tome d'une série, qui va ainsi revoir l'ensemble des principes de la chromatothérapie, est axé sur la chromatothérapie directe et sur la chromatothérapie du point d'acupuncture. Il a vraiment été conçu comme un outil pédagogique indispensable pour l'ensemble des élèves qui suivent la formation en chromatothérapie.